Salut à tous, c'est Justin on the New Bat. Je vais faire une vidéo un peu différente aujourd'hui parce que j'ai reçu ce petit paquet de la part d'Orange. Donc j'ai commandé un nouveau téléphone, donc en précommande pour le Huawei Mate 10 Pro. Vous receviez la montre Huawei Watch 2 et donc comme je l'ai dit, le Huawei Mate 10 Pro. Donc on a une jolie petite boîte noire assez classe avec le petit logo Leica qui s'est occupé des optiques. Donc on va regarder ce qu'il y a dedans. Donc la boîte est assez classe, hein. Moi je viens des iPhones, franchement il n'y a rien à envier. Le téléphone, quand on le voit, il y a un petit effet waouh qui marche très bien. Moi, je viens de l'iPhone 7. Donc là, on est plutôt sur la taille des 7 Plus. J'étais un peu inquiet là-dessus, mais bon, c'est pas dérangeant. Donc on va regarder ce qu'il y a dans la boîte. Donc ici on a le chargeur, le câble, les écouteurs. Qui ressemble pas mal aux écouteurs iPhone. Et le petit adaptateur USB-C mini jack. Parce que malheureusement, comme iPhone, ils ont supprimé la prise jack. Alors ça, je m'y attendais pas. Huawei vous fournit aussi une petite coque en caoutchouc transparent. C'est toujours sympa. Là pour l'instant les accessoires n'étaient pas sortis, donc bah, c'est toujours agréable. Là on a le pic pour la carte SIM. Et bon évidemment les manuels. Donc on va l'allumer. Le Powered by Android. L'écran a l'air sympa, je sais que c'est pas. Il a pas la même résolution que le dernier iPhone X ou que les derniers Galaxy, mais franchement c'est quand même pas mal du tout. Donc ouais, clairement là, plutôt emballé. Donc regardons un peu plus en détail maintenant. Le Huawei est équipé de 128 Go de mémoire interne. Donc petite comparaison des chargeurs. Donc là je vous ai mis un chargeur traditionnel iPhone. Là comme on peut le voir, le chargeur Huawei il est assez imposant parce que c'est une charge rapide. La batterie du Mate 10 c'est une 4000 mAh. Donc pour rappel, chez iPhone on est à moins de 3000 sur la taille iPhone 7. Donc j'ai de bons espoirs que ça tienne. Donc voici le téléphone avec la coque transparente fournie par Huawei. Donc vous avez la double optique Leica. Le capteur d'empreinte est dans le dos. Et donc une fois que c'est paramétré, en fait, vous avez juste à poser le doigt et hop, ça allume le téléphone. Donc ça c'est. Bah moi je connaissais pas, c'est assez sympa. Contrairement à un iPhone, vous avez pas, l'écran va pas s'allumer lorsque vous levez le téléphone, mais juste en posant le doigt, hop. Donc ça c'est toujours sympa. Donc c'est un iPhone, c'est la surcouche Huawei est très légère, donc c'est presque comme un Android pur. Donc c'est moi, ça c'est quelque chose que j'apprécie. Donc là, ça fait une journée maintenant que j'utilise le téléphone. Donc là, j'en suis ravi. Il n'y a pas de lenteur. C'est plutôt sympa. Donc je sais, d'après les premiers tests, que la batterie, enfin le temps que le système comprenne l'usage qu'on en fait, il va s'écouler une petite semaine avant que vraiment le téléphone sache tirer parti de la batterie. Donc soyez pas étonnés si la première semaine vos résultats sont un peu en dessous de vos espérances. Ça c'est apparemment classique, ça s'améliore après.
Parce que Huawei donc a intégré un processeur avec de l'IA. Donc de ce que j'ai cru comprendre, ça va améliorer l'usage de la batterie et aussi ça améliore les photos. Donc a priori, les optiques Leica en plus sont plutôt sympas. Donc j'en attends beaucoup. C'est fluide. Bon voilà, le téléphone est neuf. Hein. Là j'ai juste installé mes applis habituelles. Donc, Ouais, je vous ferai un petit feedback, je pense, au bout d'un mois d'utilisation. En attendant, ouais, plutôt content. Et bon, quand on voit la différence de prix par rapport aux derniers Apple, ouais, je pense que c'est vraiment une super affaire. Voilà, écoutez, juste petite vidéo. Ça change un peu de mes vidéos sur les caméras et sur le vélo. Là, juste envie d'être un petit peu geek là sur ce coup-là. N'hésitez pas à me poser des questions si je peux vous répondre. Ça sera avec grand plaisir. Allez, ciao, bye bye.